Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de One Day One Stretch, votre exercice d'étirement quotidien. Aujourd'hui, on reparle d'un muscle dont vous avez pas mal entendu parler dans ces séquences, celui par lequel on a commencé ces vidéos, le psoas, notre fléchisseur de hanche, notre muscle entre guillemets poubelle de l'organisme, notre muscle des émotions. Et bien, une nouvelle façon de l'étirer. On aura besoin d'un mur ou ici d'une chaise, et on attaque tout de suite dans cette position d'étirement. On vient placer d'abord le pied opposé au psoas qu'on vient étirer sur la chaise ou sur le support. Donc ici, je cherche à étirer mon psoas côté gauche, le pied droit à plat sur la chaise, la jambe arrière tendue, on pourra la fléchir. Ce qui nous intéresse là, c'est d'ouvrir la hanche au maximum. Donc on se grandit le plus possible au niveau du buste. On avance poids du corps vers l'avant, on cherche à contracter le fessier gauche ici. Et normalement, on doit bien ressentir cette ouverture de hanche et cet étirement au niveau de notre psoas. Et on garde la position. Encore 5 secondes. On garde le fessier contracté. On relâche tout doucement. Et on va partir donc de l'autre côté. Maintenant, on va étirer le psoas côté droit. Je place donc mon pied gauche bien à plat, mon pied derrière bien au sol. Je cherche à ouvrir la hanche le plus possible, à avancer mon genou gauche vers l'avant. Et je tiens la position en soufflant. À chaque expiration, je cherche à aller un petit peu plus loin, à avancer un petit peu plus mon genou vers l'avant, tout en gardant le pied arrière au sol et en cherchant cette ouverture de hanche à augmenter cet angle entre mon buste et ma cuisse, qui va faire que je vais mieux ressentir cet étirement du psoas. Je garde également mon fessier droit ici contracté. Je tiens la position encore. Encore 5 secondes. 3, 2, 1. Top, et on relâche et on revient tranquillement dans la position. Donc voilà un autre exercice pour étirer le psoas, c'est l'un des muscles les plus importants à étirer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.